la cloche. Ils sont plus que deux pour le titre. Et Girma, challengé par El Bakkali. Ouh là là, la chute derrière. Et ben la voilà. Chute de Kibi Watt. Et voilà. Eh bien, c'est ce qu'on évoquait. Il est reparti, hein. Il est reparti, mais... Oh, il s'est fait rattraper par Il s'est fait rattraper à son compatriote, ouais. C'est fou. En plus, ça ne va pas faire du bien, hein, de chuter comme ça. Ah non, se relancer comme ça, ça coupe tellement les... Ça coupe les pattes. Après 2600 mètres de course, et on voit... regardez, El Bakkali, qui va peut-être... et qui passe devant Girma. Oh là là, le Marocain qui va peut-être aller créer une grosse surprise. Lui aussi, décidément, c'est la soirée. Oh oui, il est parti, on ne le reverra plus. El Bakkali qui fonce vers le titre. Et voilà. Le champion olympique en titre, qui va devenir champion du monde. Et bien, c'est la soirée à des nouveau, surprises. Il va, oui, mais l'expérience, hein, l'expérience. Et El Bakkali qui conserve son titre, alors que Girma avait dominé la saison. Dominer la saison et même battre le record du monde, ça ne suffit pas en championnat. Et regardez derrière la bagarre entre les deux Kenyans. Qui malgré sa chute, Kibi Watt, eh bien, réussit à prendre la troisième place. Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne sais pas lequel des deux a terminé troisième là. Il me semble que c'est. Oui, c'est là. C'est Kibi Watt. C'est Kibi Watt, on a vu. Félicité par. Incroyable, malgré une chute, il est quand même sur le podium. C'est quand même assez dingue. Et voilà. Soufiane El Bakkali, il avait bien préparé son coup, le Marocain. Ah, les larmes. Et on voit très ému. Hein. El Bakkali, ah oui, il a fait une course magnifique, hein, parce qu'il a résisté à l'attaque de Girma, oui, avant de porter l'estocade. C'est pas n'importe qui, Girma, hein, c'est le recordman du monde. C'est, ah, c'est magnifique. Ouais, c'était une course assez tactique, hein, on l'a vu. Et qui a fini très fort avec Kibi Watt. Chapeau, parce qu'il chute quand même lourdement. Il s'est fait mal. Hein. Vous avez vu qu'il a l'air d'avoir une bonne douleur à la main, le Kenyan. Et il a eu la présence d'esprit de repartir tout de suite. On revoit cette chute sur l'obstacle. Boum ! Oh là 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 là, genou. Et la main. Oh là 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 là, il tape en plus. Et il s'est pris la main dans la. Il s'est pris la main dans la lisse. Ah, il s'est fait très mal. Hein. Il est reparti et il va prendre la médaille de bronze. C'est sûr, hein, les gars, ah, c'est... Ouais. Ouais. Ils sont durs au mal. Durs au mal. On imagine là, une chute après. Il y avait 2600 mètres c'est ça. De course. Et il résiste à Bette. Alors, mais regardez, il s'est fait mal. Il s'est fait très mal. Il s'est peut-être coupé. Ou... Et là, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. El Bakkali qui va s'imposer en solitaire quasiment. Et troisième grand titre consécutif pour le Marocain.